Aujourd'hui, c'est une journée importante pour moi. C'est une journée importante pour l'organisation comme telle. Le monument ici, ça reflète la vie de trois policiers qui ont été tués en devoir. C'est pas juste les policiers, c'est des hommes, c'est des pères, c'est des fils. Puis à l'intérieur, tout le monde qui vient ici peut voir que c'est pas juste les policiers. Le parc comme tel, c'est une place pour nous, c'est une place pour les citoyens de la communauté, de venir, de penser, la réflexion, ça fait mal encore, c'est une place pour penser envers eux, de penser envers tous les policiers, de penser envers qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis, quand Morgan a été choisi, moi j'étais très content parce que je savais que lui, il a un don. Il a un don, c'est pas croyable. Puis, qu'est-ce que lui avait fait, ça vient de sa corps. Puis lui, il a impliqué tout le monde dans le processus. Il a impliqué les policiers dans le processus. Il a impliqué les familles. Et à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce que je vois en arrière, là, c'est pas croyable. Puis, moi, je suis très fier d'avoir fait partie du monument. Et aussi dans ma carrière dans la GRC comme telle. Puis, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Et moi, je voulais voir le monument fini comme aujourd'hui. Puis c'est le temps de le tourner la page, c'est le temps de faire d'autres choses. Et encore une fois, c'est le temps de dire merci beaucoup aux citoyens, aux policiers, aux médias, à tout le monde pour le soutien, le support qu'ils m'ont donné personnellement, qu'ils nous ont donné comme... organisation, ça m'avait touché énormément et moi je suis aujourd'hui je suis très très fier et mais c'est le temps et je vais faire d'autres choses. Puis, merci pour tout ce que vous avez fait. Pour moi, d'avoir ces femmes dans la fonderie, c'était un événement tellement spécial pour moi. D'avoir la création de ces familles et la participation de les femmes dans la fonderie et d'avoir les objets qui appartenaient aux hommes et d'avoir inclus ça dans la base des sculptures. Pour moi, c'était un honneur et tellement spécial d'avoir une représentation de ça dans la sculpture.